Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo de Genshin Impact. Aujourd'hui, il y a eu le live 5.1. Donc là, avec une petite bizarrerie, ou plutôt une dinguerie. Les doubleurs pour faire les voix sur les animations du live, ils ont fait grève. Ok, ça fait grève aussi, il n'y a pas qu'en France. Voilà, donc le live, il a été assez rapide, c'est ce qu'il faut pour tous les lives. Parce que après les lives de 45 minutes, voire 50, voilà, ça fait lent. Là, ce fut court. N'hésitez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de partager. Et sur ce, nous, on est parti. Alors ici, tout commence par la présentation de Xylon, le nouveau personnage 5 étoiles. Donc là, il y a Mavoika qui est là. Voilà, l'archon pyro. Confirme que le Gnosis pouvait résoudre cette crise. Voilà, Xylon, on la voit. Elle est ici. Là, je vous laisse un peu regarder son E, son A, son ultime, ses compétences, comment elle se joue. Si elle vous hype ou non. Mavoika, elle va utiliser le Gnosis. Ici, je vous mets le premier code. Donc, notez-le. Attention, il est valable un jour, 24 heures. Donc, jusqu'à demain. Jusqu'à demain midi. Donc, faites vite. Rentrez-le. Je mettrai les codes en description. Il montre la présentation de Xylonen. Ses compétences, donc le personnage. Le personnage, c'est un boost. Il booste votre équipe avec son E et son ultime. Il booste qui? Il booste les éléments hydro, les éléments pyro, les éléments cryo et les éléments électro. Avec ça, bien sûr, les DPS de ces éléments vont augmenter. Il y a aussi le Geo qui augmente Navia. Elle va être beaucoup boost. Navia, donc, comment la jouer? La jouer avec un autre personnage Geo pour faire la résonance Geo. Et deux autres éléments, soit l'élément électro, pyro, cryo et hydro, comme je vous ai dit. Voilà, là, ils le disent. Donc, personnage, je ne sais pas si vous allez l'invoquer, mais voilà ce qui a été dit dans ce live. Ensuite, il y a l'exploration sur deux patchs. Voilà, ici, vous pouvez le voir sur deux patchs. Si vous faites l'exploration des zones jusqu'à atteindre 80%, vous pouvez obtenir des primogèmes. Donc si vous avez déjà fait l'exploration et que c'est déjà à 100%, ces primogèmes vous seront donnés gratuitement, puisque ça y est, vous avez déjà déverrouillé le petit événement sur deux patchs pour récolter les primos. Tout comme moi, j'ai pas tout à 100%, des fois j'ai à 100%, mais j'ai tout clean supérieur à 60 et 80%. Donc pour moi, les primogèmes, voilà, les 400 tout seront là. Obtenir les 300 primogèmes à partir de 40%, 60 et 80. Et après, nous avons le primogème qui est un tout petit peu plus haut, celui-là, voilà, pour compléter les 3. Par contre, comme il est indiqué ici, c'est que pour la région de Natlin. Les autres régions, Fontaine, Sumeru, Inazuma. Voilà, ça, c'est pas pris en compte. Ici, c'est que Natlin. C'est marqué en traduction en bas. Vous pouvez le voir. C'est quand même dommage qu'ils n'ont pas mis les autres régions. Mais au moins, nous avons 400 primos. C'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons le nouveau boss. Nouveau boss de terrain. Ce boss de terrain, on récupère ses matériaux d'élévation de personnages. Donc, celui-là va être pour Xylon. Peut-être après pour des personnages futurs. Mais en tout cas, il est là, le boss.
Si vous voyez, car même c'est une autre machine, on dirait une machine antique. Là, on peut le voir à l'œuvre. En tout cas, ce boss, il a l'air vraiment stylé. Là, on voit Xylon. Xylon, qui vous pouvez le voir avec son E, se déplace en roller. C'est quand même pas mal. Tout ceci, c'est quand même pas mal. C'est stylé quand même. We introduced our new character and the new boss. Let's move on to the event wishes. Maintenant la phase 1. La phase 1 de la 5.1, c'est Xylon avec Shuri pour invoquer les personnages. Donc ça, encore Shuri, ça passe, même si je l'aurais invoqué, je l'aurais pas joué. La Xylon, pour moi, elle est mieux puisque ça va être de mémoire, je crois, le premier personnage qui soigne en termes de géo. Je sais pas s'il y a Goru ou Albedo qui soigne, je sais pas parce que je les ai pas. Mais en tout cas, Xylon, en plus, ça le boost. C'est une Kazoa géo, mais qui donne des soins. Ma foi! Que voulez-vous de mieux? Phase 2. Alors là, MiYoYo, ils ont complètement pulvérisé le cycle, puisque effectivement, c'est Naïda. L'arc en Naïda qui revient en 5.1 avec Fu Tao. Fu Tao, l'un des meilleurs DPS Pyro. Ouais, j'attends ma Voika. Personnellement, j'attends ma Voika, mais voilà. Naïda aussi, la mienne, elle est C2. Elle est bien. Donc ça, je skip. Donc retrouvez-moi sur YouTube pour les invocations de Xylon la prochaine fois qu'elle va sortir en 5.1. Je vous attends sur YouTube, surtout, n'hésitez pas à voir ma vidéo. Nous avons les armes 4 étoiles. Je pense que eux qui vont être invocables dans la bannière d'armes. Donc, 3 nouvelles armes. Elles sont quand même pas mal. Une lance, une épée à une main et une épée à deux mains. Elles sont vraiment pas mal. Franchement, elles sont stylées. Elles sont vraiment très, très stylées. Ici, voilà, le deuxième code. Allez-y, rentrez-le. En tout cas, Xylon, comment ça? Elle est stylée. Franchement, là, cet artwork là, franchement cool. Voilà, allez, 100 primo pour vous. C'est gratuit jusqu'à demain midi. N'hésitez pas à le rentrer. Ce qui concerne le gros event de la 5.1, ce sera l'anniversaire de Naïda. Vous pouvez le voir, on va gagner Candace, une constellation de Candace. Ça, c'est quand même cool. Candace 6-6 pour le Bloom. C'est quand même pas mal, voilà, avec des primogèmes, avec une couronne. Donc tous les personnages qui vont préparer l'anniversaire de Naïda, à part Nilou, à Lightam, il y aura son carrosse. En même temps, pourquoi pas? Je dois vous dire, pourquoi pas? En tout cas, voilà, Naïda, elle sera ici. Avec un petit event. Comme vous pouvez le voir, là, hop. The goal is to control the direction of the carriage. Va falloir ramasser des fleurs. While gathering as many flowers as possible. Donc un event assez cool, rapide. Voilà, hop, on va à droite et à gauche. Si on touche les vases, on perd des points de vie. Ici, un event où il va falloir observer et voir ce qui va pas. Ici, ici, là, tac, les défauts. Voilà, 1 sur 8, ça, ça flotte. Donc là, c'est event de combat. On choisit une équipe. Et après, voilà, la castagne pour prendre des primos. Vous le voyez, là, tac, Shuri, Xylon. Elle a l'air pas mal quand même à jouer. Xylon, elle a l'air vraiment pas mal à jouer. Hâte de l'invoquer. Voilà, ici, un autre event. Pour ramasser des primos. Voilà, ça aussi, un autre combat. Ça, on va dire, c'est des combats à peu près deux boss, j'aimerais dire. Parce qu'on voit ça, c'est pas des petits mobs. Ici, particularité, ça, on pourra le faire aussi en multi.
Selecting a character that fits the reinforcements featured in each stage. Donc on aura comme personnage, ça va être chaud ça par contre. Cet event sera chaud. Vous pouvez le voir. Event combat en multi. Donc avoir un personnage. It's all about optimizing your teamwork. Si personne met des soigneurs, vous savez quoi faire. Based on their performance. Be sure to gather three stars. Allez, en plus, il a gagné un trophée. Voilà, on en a gagné 30. Ici, dans le tableau, dans le théâtre, ils ont rajouté Zhongli et. Wow, Zhongli's Echo is really cool. Kuching's Echo is also beautiful. She leaves a trail of flowers behind her. Donc pourquoi pas. Moi j'ai eu que Jean. Donc le TCG, prends nouvelle carte. Si le TCG vous intéresse, allez-y. Cool. Lee Ben revient en 5.1. Donc ça c'est gratuit hein. Petite exploration, on lui donne ce qu'il demande. Et après, voilà, 40 primos. C'est pas beaucoup. Mais voilà, on prend. Maintenant, en 5.1, dans les abysses, on pourra skip les étages. Comment ça fonctionne? Dans vos précédentes profondeurs spiralées, si à l'étage 11, vous avez obtenu toutes les étoiles, dans les nouvelles profondeurs, vous pourrez récupérer directement les récompenses de l'étage 9 et 10. Ça, c'est quand même cool. Ici, maintenant, quand on a tous les coffres, on va pouvoir sélectionner les 10 coffres et ouvrir tous les coffres et avoir tous les artefacts. Quand on gagne les coffres dans les profondeurs spiralées, les faire un par un, ça, au moins, on va pouvoir tous les faire. Et ça, c'est quand même bien, c'est quand même cool. Dans la table de synthèse, ils ont rajouté une fonctionnalité qui est l'optimisation pour monter de niveau vos personnages. C'est-à-dire que si dans un personnage, il vous manque une pierre ou il vous manque des matériaux mais que vous ne savez plus quel est le matériau, vous allez à la synthèse et ici, vous pouvez voir, hop, Zinkyu, lui, il veut ce livre. Donc après, vous pourrez aller voir si vous en avez, aller voir dans le donjon. Si vous pouvez le farm, Miyuyo, s'il vous plaît, arrêtez avec les jours. Mardi, c'est ce donjon. Jeudi, c'est notre donjon. Vendredi, là, faites comme dans Star Rail. Tous les jours de la semaine, on peut farm tous les matériaux qu'on souhaite. Ça serait cool, ça. Ça serait cool. Au lieu de savoir c'est quel jour, si c'est lundi, vendredi, samedi, jeudi. Ah, franchement, ça serait tellement mieux de faire ça. Voilà, le dernier code. Allez-y, lui aussi, rentrez-le. Tout sera en description, les trois codes. Allez-y, il est là avant demain midi. Voilà, comment ça vous fera 300 primogèmes. Allez-y, c'est gratuit. C'est sympa, c'est pas mal, c'est cool. Voilà ce qui termine ce résumé du live 5.1 de Genshin Impact. Voilà, il y a eu des améliorations en in-game. Donc, la présentation de Xylon, elle est là. Bien sûr, je ne l'ai pas montré, mais il y a la quête d'Archon avec Capitano. Ça, pas besoin de spoil. On le verra nous-mêmes si on aime, si on n'aime pas. Voilà, le live avec les 300 primogèmes que je vais vous mettre aussi en description. J'espère que ce petit résumé vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de partager, de faire venir des abonnés. Et sur ce, nous, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos sur Genshin Impact. Allez, salut !